Les professeurs sont automatiquement là quand on a besoin d'aide. Ils nous appellent quand ils ont notre message, soit le soir ou soit le lendemain matin. La réponse est assez rapide. Ça s'est très très bien passé. Les cours étaient vraiment développés, les professeurs toujours à mon écoute. Il n'y a pas cette barrière non plus professeur-élève qu'on a dans un enseignement général en fait. J'ai envoyé beaucoup de mails, donc j'avais des réponses assez faciles. Et en parallèle, j'étais sur un groupe d'élèves sur Facebook. Ce qui m'a plu, c'était de recevoir les devoirs, de voir une note écrite d'un professeur avec la note non seulement, mais en plus l'appréciation. C'était aussi une source de motivation pour moi car ça prouvait qu'il y avait vraiment un suivi derrière et ça m'intéressait. Plus j'apprenais, plus j'avais envie de continuer, plus j'avais envie de voir les cours suivants. Qu'est-ce qui va se passer? Comme une petite histoire. Conseil à tout le monde, l'école de comptabilité. Moi, voilà, moi, ça a été un réel bonheur d'étudier par le biais de cette formation parce que les cours sont complets, les professeurs sont là. Nous, anciens élèves, on est là aussi pour aider. La première chose à faire, c'est d'appeler l'école. Pendant la formation, c'est de téléphoner au professeur, c'est d'être encadré aussi au niveau familial et peut-être aussi faire des stages. Je suis vraiment fier d'avoir réussi mes deux diplômes à l'EFC et donc d'avoir eu, grâce à tout ça, un poste où je me plais. On se sent relativement valorisé et fier d'avoir réussi à la faire jusqu'au bout. C'était une fierté d'avoir ce diplôme, ça, c'est sûr. Et honnêtement, moi, je suis très très fière d'y être arrivée.